Bonsoir à tous, c'est la marchande de sable. Ce soir, je vais vous lire le troisième chapitre de Mon bel oranger. Comme ce chapitre est assez long, j'ai décidé de le découper en deux vidéos. Comme la dernière fois, la lecture est accompagnée de bruits et d'extraits musicaux que je joue au piano. J'espère que ce nouveau chapitre vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute et une très bonne nuit. Les doigts maigres de la misère. Quand j'exposais le problème à l'oncle Edmundo, il le considéra avec sérieux. Alors, c'est ça qui te préoccupe? Oui, monsieur. J'ai peur qu'avec le changement de maison, Luciano ne vienne pas avec nous. Tu penses que cette chauve-souris t'aime beaucoup? Si elle m'aime. Du fond du cœur? C'est sûr. Alors, tu peux être certain qu'il te suivra. Il se peut qu'il tarde à apparaître, mais un jour, il te retrouvera. Je lui ai déjà dit la rue et le numéro où on va habiter. Bon, alors c'est facile. S'il ne peut pas y aller parce qu'il a d'autres engagements, il t'enverra un frère, un cousin, quelqu'un de sa famille. Et tu ne t'en apercevras même pas. Pourtant, j'étais encore préoccupée. À quoi servait-il d'indiquer le numéro et le nom de la rue à Luciano, puisqu'il ne savait pas lire? Il pourrait peut-être demander aux oiseaux, aux bêtes à bon Dieu, aux papillons. Ne t'inquiète pas, Cécé. Les chauves-souris ont le sens de l'orientation. Le quoi, tonton? Il m'expliqua ce qu'était le sens de l'orientation. Et je restais émerveillée, une fois de plus, de sa science. Mon problème résolu, je me précipitai dans la rue pour raconter à tout le monde ce qui nous attendait. Le déménagement. La majeure partie des grandes personnes me disait d'un ton enjoué. Vous allez déménager, Zézé. Que c'est bien, quelle merveille, quelle chance. Le seul qui ne s'en étonna guère fut Biriquinho. Encore une veine que ce soit dans cette rue-là, c'est prêt. Et cette histoire dont je t'ai parlé? C'est quand? Demain, à 8h, à la porte du casino Wangu. Ils sont dit que le patron de la fabrique avait commandé un camion de jouets. Tu viendras? Oui, j'emmènerai Louis. Tu crois que j'aurai quelque chose? Bien sûr, un morve comme toi. Tu te crois déjà un homme? Il s'approcha de moi et je me rendis compte que j'étais encore bien petit. Plus petit que je ne pensais. Ben, si j'ai quelque chose. Mais pour l'instant, j'ai affaire. Demain, on se retrouve là-bas. Je rentrai à la maison et me mis à tourner autour de Gloria. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Toi, tu pourrais bien nous emmener. Il y a un camion qui vient de la ville avec plein de jouets à rapport. Écoute, Zézé, j'ai une montagne de choses à faire. Je dois repasser, aider Chantira à préparer le déménagement. Je dois surveiller la cuisine sur le feu. Il viendra des tas de cadets de Rialengo. Outre sa passion pour Rudolf Valentino, qu'elle appelait Rudy, et dont elle collectionnait les photos dans un cahier, elle était folle des cadets. Tu as déjà vu des cadets à 8h du matin? Tu me prends pour une idiote, gamin. Va jouer, Zézé. Mais je n'y allais pas. Tu sais, Godoya, ce n'est pas pour moi, mais j'ai promis à Louis de l'emmener. Il est si petit. À son âge, les enfants, ça ne pense qu'à Noël. Zézé, je t'ai déjà dit que je n'irai pas. Tout ça, c'est des histoires. C'est toi qui veux y aller. Tu as bien le temps dans ta vie d'avoir des cadeaux de Noël. Et si je meurs? Je mourrai sans cadeau de Noël cette année. Tu ne
lequel elle devait passer. Parce que maintenant, elle avait commencé à nettoyer la maison et à faire les lits. Elle me trouvait à mon poste et elle fermait la fenêtre. Elle finit par fermer toute la maison pour ne plus me voir. Méchante diablesse, vilaine rouquine, tu ne te marieras jamais avec un cadet, c'est bien fait. Tu te marieras avec un troufion sans un sou pour cirer ses bottes, c'est bien fait. Quand je vis que je perdais vraiment mon temps, je partis dégoûtée de la vie et je gagnais à nouveau l'univers de la rue. Dans la rue, je découvris Nardigno qui jouait avec quelque chose. Il était accroupi et regardait, très absorbé. Je m'approchai de lui. Il avait fait une petite voiture avec une boîte d'allumettes et attelé un scarabée. Je n'en avais jamais vu d'aussi gros. Eh ben, il est gros, hein. Tu l'échanges. Contre quoi? Si tu veux des images, combien? Sens de l'orientation. Elle rit malgré sa tristesse.
maison. Non, toi tu y as été. Chaque fois que je peux, j'y fais assaut. Pourquoi? Je veux savoir si Minkinyo va bien. Il rit et continua à tailler ce qui serait le nouveau corps de Rayon de Lune. Qui diable est-ce, Minkinyo? C'est mon pied d'orange douce. Tu as trouvé un homme qui lui va bien. Tu es formidable pour trouver les choses. Alors, il va bien. Il n'a pas grandi du tout. Et il ne grandira pas si tu passes ton temps à le regarder. Il te plaît. C'est comme ça que tu le voulais. Oui. Totoka, pourquoi est-ce que tu sais tout faire, dis? Tu fais des cages à oiseaux, des poulaillers, des ruches, des haies, des barrières. C'est que tout le monde n'est pas né pour être un poète à nœuds papillons. Mais si tu voulais, tu apprendrais aussi. Je crois que non. Il faut avoir des dispositions. Il s'arrêta un instant et me regarda moitié rieur, moitié fâché de cette nouvelle invention de l'oncle Edmundo. Tintinia était dans la cuisine. Elle était venue pour faire du pain perdu au vin. C'était le dîner de Noël. C'était tout. Je commentais pour Totoka. Regarde, Totoka, il y a des gens qui n'en ont même pas autant. C'est l'oncle Edmundo qui a donné l'argent pour le vin et aussi pour les fruits de la salade pour le déjeuner demain. Totoka faisait le travail pour rien parce qu'il avait su l'histoire du casino Bangu. Au moins, Louis aurait quelque chose. Une chose vieille, usée, mais très belle et que j'aimais beaucoup. Totoka, oui, tu crois qu'on n'aura rien, rien du tout à Noël? Je crois que non. Dis sérieusement, tu trouves que je suis aussi méchant, aussi sot que tout le monde le dit? Méchant, méchant, non. Ce qui arrive, c'est que tu as le diable au corps. Quand ce sera Noël, je voudrais tant ne plus l'avoir. J'aimerais tant qu'avant de mourir, une fois dans ma vie, ce soit le petit Jésus qui naisse pour moi au lieu d'un petit diable. Peut-être bien que l'année prochaine. Pourquoi est-ce que tu n'apprends pas à faire comme moi? Comment fais-tu? Je n'attends rien. Comme ça, je ne suis pas déçue. D'ailleurs, le petit Jésus n'est pas aussi bon que tout le monde le dit, que le raconte le curé et le catéchisme. Il s'arrêta et resta indécis, se demandant s'il dirait ou non la suite de ce qu'il pensait. Alors il est comment? Ben, disons que tu as été très polisson, que tu n'as rien mérité. Mais Louis, c'est un ange. Et Gloria, aussi. Et moi? Ben, toi, quelquefois, tu me chipes mes affaires, mais tu es très gentil. Et là, elle bat très fort. Mais elle est gentille. Un jour, elle me coudra mon nœud papillon. Et j'en dirai, et comme ci, comme ça. Mais elle n'est pas méchante. Et maman? Maman est très gentille. Ça l'ennuie de me battre. Et elle ne tape jamais fort. Et papa? Ah, lui, je ne sais pas. Il n'a jamais de chance. Je crois qu'il doit être comme moi, le mauvais de la famille. Alors tu vois, tout le monde est gentil dans la famille. Pourquoi le petit Jésus n'est-il pas gentil avec nous? Si tu vas chez le docteur Faulhaber, tu verras toute la table pleine de choses. Chez les Villas-Boas aussi. Chez le docteur Adaoctolus, n'en parlons pas. Pour la première fois, je vis Totoka sur le point de pleurer. C'est pour ça que je pense que le petit Jésus a voulu naître pauvre seulement pour faire de l'effet. Ensuite, il a vu qu'il n'y avait que les riches qui en valaient la peine. Mais n'en parlons plus. Peut-être que c'est un très gros péché ce que j'ai dit. Il était si accablé qu'il ne voulut plus parler, ni même lever les yeux du bâton du cheval qu'il était occupé à égaliser. Voilà pour la première partie de ce chapitre. Je vous retrouve dans une semaine pour le finir.